Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 00 12. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Je dépose une intention de prière pour ma mère, Suzanne, et pour toute notre famille, afin que de plus en plus de compréhension et d'amour circulent dans cette famille. Merci de vos prières. Notre-Dame de Lourdes, je te confie mon mari, qui doit passer des examens pour ses problèmes de santé demain. Ô Marie, aide-lui à guérir et que tout se passe bien. Merci Marie, je t'en prie. Je voudrais déposer une intention de prière pour Marie-Noël, qui souffre beaucoup, beaucoup. C'est insupportable. Je demande à Notre-Dame de Lourdes et à Sainte Bernadette d'intercéder pour elle, parce qu'elle doit subir une grosse opération. Et aux pèlerins de Lourdes de prier pour elle. C'est très, très urgent. Merci, merci. Vierge Marie, Maman du Ciel, je te confie, Mégan, une jeune fille qui est gravement malade, qui a une leucémie. Et je voudrais prier avec tout le monde pour que cette jeune fille guérisse. Je vous remercie, Vierge Marie. Merci de protéger Mégan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce mardi, nous méditerons les mystères douloureux du rosaire, l'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, le crucifiement et la mort de Jésus. Bienvenue à vous tous, pèlerins présents à Lourdes devant la grotte de Massabielle. Bienvenue à vous tous qui, de par le monde, priez avec nous, par l'écoute de votre radio chrétienne francophone, par l'écoute de la chaîne de télévision catholique Catéo, par votre connexion au site internet des sanctuaires de Lourdes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. En proie à la détresse, Jésus priait de façon plus ardente, « Père, s'il est possible, que cette heure passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Après avoir prié, Jésus revint vers les disciples et les trouva endormis. « Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous. Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré. » Livré par Judas, Jésus lui dit, «
Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Fruit de ce mystère douloureux, le repentir. Prions pour toutes les intentions que nous venons d'entendre, les intentions qui nous sont confiées, les intentions que nous portons à notre cœur. Prions pour toutes les personnes aujourd'hui trahies dans les familles, toutes les personnes aujourd'hui dans une solitude qui enferme. Prions pour tous ceux qui sont victimes de l'ingratitude, du manque de reconnaissance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Maltraité, il s'humiliait et n'ouvrait pas la bouche. Après avoir fait flageller Jésus, Pilate le livra pour être crucifié. Accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Fruit de ce mystère douloureux, la mortification des sens. Prions pour toutes les personnes malades, pour toutes celles qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Prions pour nos frères et sœurs torturés aujourd'hui en raison de leur foi et pour ceux qui les torturent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Ayant tressé une couronne d'épines, ils la placèrent sur la tête de Jésus. Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Jésus leur dit : Voici l'homme. Les soldats s'agenouillaient devant Jésus, couronnés d'épines, et se moquaient. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Mon royaume n'est pas de ce monde, nous dit Jésus. Voici l'homme. En Jésus, nous contemplons l'homme accompli. Selon le projet éternel du Père, Jésus nous révèle notre véritable identité, ce qui en nous demande à être converti pour être accordé à ce projet de vie et d'amour dans la miséricorde du Père. Fruit de ce mystère douloureux, le courage. Prions pour les personnes qui aujourd'hui sont déconsidérées, humiliées, moquées. Prions pour toute l'Église qui va rentrer dans ce temps de conversion du carême, tant à vivre dans la miséricorde du Père, qu'il soit pour nous, pour tous, un chemin de plénitude, de conversion, de retournement du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean. Ils prirent donc Jésus qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit Golgotha. Fruit de ce quatrième mystère douloureux, la patience dans les épreuves. Prions pour ceux et celles qui sont accablés par les épreuves de leur existence. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et portent seuls leurs difficultés, leurs souffrances. Prions pour ceux qui accompagnent leurs frères dans la souffrance, en ces œuvres de miséricorde, en cette année de la miséricorde, de ceux qui jamais ne se résignent à la solitude, à la violence, à la haine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus disait à ses disciples, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Fruit de ce mystère douloureux, le pardon des ennemis. Prions pour les agonisants, pour ceux et celles qui meurent aujourd'hui. Prions pour tous les défunts de nos familles, de nos paroisses, de nos communautés. Prions pour tous ceux qui se tournent aujourd'hui vers le Jésus crucifié. En lui se trouvent amour et miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ta sagesse cachée, tu donnes aux membres du corps du Christ de compléter, par les peines de cette vie, la passion de leur chef. Et tu as voulu que près de ton Fils mourant sur la croix se tienne debout Marie, sa mère douloureuse. Accorde-nous, à son exemple, d'être toujours auprès de nos frères souffrants pour leur apporter affection et réconfort. Nous te le demandons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint-Joseph, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Toi, notre dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, notre dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. S'il y a des personnes qui ont des objets de piété à bénir et à offrir, maintenant je vous...